Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti sur Crusader Kings 3 avec la suite de nos aventures, avec notre dernier Carolingien, qui a conquis pas mal de choses, hein, comme vous pouvez le voir. On a quand même réussi à conquérir, ouais, à la moitié de l'Europe. Aujourd'hui, on va s'occuper Bavière, Polabie, Bohème, je pense, ces trois-là, ça pourrait être sympa, quoique ça va me faire des empires de Germanie qui vont bien m'embêter. Et on va aussi essayer de grignoter un petit peu plus l'Espagne, sachant que j'aimerais bien mettre un pied en Ibérie, mais je ne peux pas, parce que je ne sais pas. Vous détenez, contrôlez complètement un royaume de Jure d'Hispanie. Oui, qui sont tes royaumes de Jure? Tu veux dire que Navarre, je le contrôle pas? Ah, peut-être que je le fasse glisser. Ça doit être ça. Il va falloir que toi, tu bosses pour faire glisser Navarre. Ça doit être ça. Sachant que là, il bosse pour faire glisser quoi? Pour faire glisser... Je sais pas. À quoi tu t'occupes? Angleterre? Je sais plus. Bref, il bosse. Il bosse. Si je dis là... Comptez... Non, il me dit pas. Il me dit pas ce qu'il est en train de faire. C'est pas très grave. On a quand même pas mal de monde assez fort. Comme vous voyez, on a quand même pas mal conquis de choses. J'ai un roi qui est vieux. 72 ans. Il devrait pas tarder à trépasser. Malheureusement. Et comme je disais, j'aimerais bien conquérir Bavière. Mais bon, on va avancer doucement. Non, je vais pas faire ça. Des titres peuvent être créés. Ce serait bien que je m'en occupe aussi de tout ça. Très bien. Et un tuteur pour Péronelle, ma fille, qui est sans consacrer. Ok, tu aimes la diplomatie. Très bien, on va repartir tranquillement. On va se remettre dedans. Petit-fils emprisonné, c'est pas grave. Comme je disais, mon roi va pas tarder à mourir. Tue un loup. Et apporte-moi sa peau. Elle a pas réussi. Espèce de nul. Toi, oui, t'as fait préparer araignée pour qu'ils soient tous sympas avec moi. Très bien. Très bien. Valence est adulte, employé économe. Parfait. On était où de ça? 6 ans et 3 mois. Tue un loup! Elle veut pas tuer une loup. Non, mais si elle veut, tu veux pas, tu veux pas. Ah, c'est vrai qu'on attaquait aussi la Sardaigne. Mais faut se méfier de la Sardaigne. Ouh, il est en guerre. Il est en train de perdre en plus. Très bien. Il est en train de l'exploser. C'est parfait. Tue moi un loup. Ne parviens pas. Mais meurs un jour. Oui, vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux à prendre tout ça. Épée du Luxembourg. Non, c'est nul. On a mieux. Ok. Ben voilà, c'est conquis. Parfait. Regardez. On a enfin conquis la Sardaigne. Bon, du coup, ça va nous débloquer un royaume. Je peux vassaliser. Toi, t'es où? Je connais pas ce comté. Au nord. Eh bah, très bien. Non, mais c'est parfait, ça. Voilà, ça à nous. Excellent. Et ça, c'est à nous. C'est vrai qu'on avait conquis pas mal de choses dans le nord aussi. Il y a la Norvège qu'on pourrait attaquer. Mais laissons-les faire le glissement de jure. Amitié nouée. Oui, jouons aux échecs. J'ai 50 en érudition. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir me battre? J'ai lu plein de livres. Merci. Alors, j'aimerais bien rejouer un jour. Génial. Très bien. On peut demander de l'or au pape. Ne nous en privons pas. J'ai envie de dire. Très bien. J'avais fait la demande pour avoir... Ouh, sécuriser la Méditerranée. Vous contrôlez la Sicile. Ouais. Et Majorque. C'est ça? Et ça fait que ça... Royaume de Baleo Tirana devient seigneur de... D'accord. Très bien. Pendant 100 ans seulement. Ok. Pour attaquer qui on veut. Tiens, mais on est en guerre ou quoi? Mais oui, on est en guerre. Ok, on est en guerre. Merci pour l'or, le pape. C'est trop aimable. Attends, on est en guerre. Il y a des vilains pabots qui sont chez nous, là. Et qui croient que... ils peuvent faire leur loi. Bonjour. Au revoir. Débarque là.
Non. T'as même pas été capable de tuer un loup? Non. Regardez, on est en train de conquérir tout ça. Parce que oui, il y a une guerre sainte en Andalousie aussi qui s'est passée. Et du coup, bah cette guerre sainte, elle a fait que on a conquis toute Andalousie. En tant que catholique. Et du coup, ces catholiques, bah petit à petit, rejoignent la France. Parce que lui, ouais, catholique galicien, bah petit à petit, il va perdre son pouvoir. Et nous, on grignote, sans faire de guerre. Donc c'est très bien, on se fait piller. Bon, il se barre avant. Ok. Raymond, mon fils et ami, tu es possédé. Et bah très bien, t'as grandi vite. Comme je disais, de toute façon, je vais pas tarder à mourir, donc évitons-nous des guerres inutiles. Et toi, on peut pas te proposer la vassalité? Non, on est trop loin, c'est ça. Je parle sa langue. Je ne suis pas tribal. Ah. Acceptation culturelle moins 30. On peut convertir. Mais les orthodoxes, ils sont partout. Ok. Très bien. Salut Oli, comment vas-tu? Ouais. On a perdu un conseiller. Ah non, pas le droit, t'es trop bon. Bon bah toi. Ok. Nouvelle action diplomatie, main de fer. J'en suis où de mes titres ici? Bah ça va bien, ça va bien. Je peux faire réformer la culture. Ah je peux pas de toute façon. Je viens de passer une demi-heure à regarder un truc que je peux pas faire. Très bien. Oui, donne-moi de l'or. C'est le plus frustrant ça. Ah bah tiens, on a découvert moulin à vent, c'est ça, ou on se fascine pour ça? Je crois qu'on l'a découvert. Et ça c'est très très fort si on a découvert moulin à vent. Oui, on l'a découvert. Très bien. Et c'est très bien parce que je vais enfin pouvoir créer Notre-Dame. Enfin, il était temps. Plus d'or, plus de croissance. Très très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire? Non, mais en tout cas je peux améliorer les bâtiments autour, donc on va pas se gêner. Sur les capitales déjà. Ils en font du bruit ici. Les villes à côté, ça doit déjà être fait. Ou presque. Excellent. Ouais, vraiment très bien lui. Ouais, cité de continue à faire des guildes. Très bien. Ça construit partout, c'est top. Le petit temple aussi, il en a besoin. Et là-haut, sur Aix-la-Chapelle. On peut pas améliorer ça? Non, on peut pas. Ça s'améliore. Très bien. Maastricht, oui, fais ça, ça sera bien. Ok. Ah, j'ai Clèves aussi. Ok, on n'a plus d'or. Mais c'est bien. C'est bien. Il faut investir de temps en temps. On a augmenté notre diplomatie en vieillissant. On doit avoir 80 ans. Ok. Ouais. Bien sûr, Elisra, t'en es où, toi, de faire glisser 7 ans. Ok, je sais plus ce qui fait glisser, mais il le fait, donc c'est cool. En fait, ici, il suffirait 7 ans. Ça doit être l'Allemagne. Ça doit être ça que je fais glisser. Conciliateur naïf, pourquoi pas? On veut m'assassiner, mais pourquoi? Je suis gentil. J'ai 75 ans. Je vais mourir de vieillesse avant qu'on ait besoin de m'assassiner. Très bien. Ça, on m'a offert un artefact. Couronne Aswanga. J'ai quoi, moi, comme artefact? Oui. Vas-y. On accepte. Fais-toi plaisir. Frappe de la monnaie. C'est fait. C'était rapide. Du coup. Prérogative royale. Pour augmenter notre autorité de couronne. Ou alors il m'a offert la couronne à Swaga. Ah, c'est pas ce que je voulais. Tant pis. J'espère que j'aurais pas eu à donner un hameçon. C'est le maréchal qui est mort. Très bien.
22, recrute des gens, ce sera très bien. Ah, une petite guerre sainte pour le Khanat de Moldavie. Oui, il n'y a pas de raison. Khanat de Moldavie, très bien. J'aimerais bien savoir c'est quoi la guerre qui est demandée. Khanat de Moldavie, c'est où? Si je fais ralentir la guerre... Ah d'accord, aujourd'hui on attaque ça, Khazari. J'ai du mal à savoir ce qui est impliqué. Parce qu'on pourrait attaquer Royaume de Pologne, si je sélectionne ça. Ah oui, c'est si petit que ça, d'accord. Ruthénie. Peut-être qu'on verra mieux si je survole. Ah, ce serait sympa ça. Parce que ça, c'est vraiment loin. Et Jérusalem, non, vous voulez pas. 19 000 hommes. Et juste eux. Vas-y, Jérusalem. Et un peu d'ambition. Et un peu d'ambition. À rejoindre votre cour, très bien. Avec un peu de chance, on aura des territoires vers Jérusalem, ce sera top. On réfléchit pas, hein. On fait toujours la même chose sur les échecs. On est un érudit à la base. Très bien. Et petit à petit, ici, ça avance. C'est qui? Notre invité, non. Oui, donne-moi de l'or, merci, ça fait plaisir. Une trêve avec Irlande, oui, donne-moi de l'or. Il se protège tranquillement. Nous, je suis pas très agressif là. Comme je vais pas tarder à mourir, j'aimerais pas me retrouver dans une guerre à la noix. Si je peux l'éviter. Et ça, c'est où? Il y va. Il y va le tuer. Très bien. Bien joué. Croisade pour Jérusalem. C'est parti. Du coup, on est combien contre combien? Ah oui, on est deux fois plus nombreux que vous. Ça devrait le faire. En même temps, j'ai 50 000 hommes, moi, tout seul. On va parler de... On va partir d'Italie, hein. On va partir d'ici. Et en charge. J'ai envie d'être le premier contributeur de cette guerre, moi. Alors, le pape envoie tous ses ordres. Et nous, on charge. Et on va charger Jérusalem. Il n'y a pas de raison d'aller ailleurs. Bonjour. Au revoir. Excellent, on les chope encore. Ah, si je les défonce, c'est top. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez? Possession. Exorciser le démon. Allez-y. Un oiseau. Très bien. Ouais, donne-moi de l'or. Très bien, et vous êtes dans une armée. Ok, ça c'est top. Parce que je suis dans une armée. D'accord. C'est pas grave, allons-y. Ah, je les ai pas eu. On a plus 19%, on va se faire plaisir. Vous obtenez le trait croisé, excellent. Ça fait toujours plaisir ça d'être croisé. Est-ce qu'on peut les choper un moment? Oui, on en chope un. Bonjour. Ça fait plaisir. On a 29%. Où il y a du monde? Si je peux les choper eux. Ouah, très bien. Ça fait plaisir. J'ai combien d'hommes? 33 000 encore. Parce que une fois qu'on aura fait tout ça, l'objectif est évidemment de se replier dès qu'on n'a plus de ravitaillement. Parce qu'on paye très cher cette croisade, nous, en or. Très bien. Jérusalem va tomber. Mettez-vous là. Je serai mort d'ici un an. Ok. On va assiéger un peu. Si on peut prendre les terres, on a plus 75%, cette croisade va être gagnée. Excellent. On disperse. Vous pouvez rentrer à la cour. Merci.
prérogative royale qui a été découvert. Excellent. C'est-à-dire que maintenant, on doit se concentrer sur Chronique. C'est le dernier. On va monter ça. Utilisons un peu notre prestige. Il sert à ça. Très bien. Votre fils a appris la langue arabe. Pourquoi pas? On a plus 92%. On a explosé les musulmans. Ouais, Jérusalem est à nous. Deus Vult. Génial. Qui est devenu... C'est mon fils qui est roi Hugues de Jérusalem. C'est fait pour. Parce que comme ça... Ah, on a que ça. Les gars, c'est abusé. On a que ça. Mais c'est pas grave parce qu'on pourrait peut-être hériter. Vous jouerez le joueur... Non. Mais du coup, je suis plus le dernier carolingien ayant des possessions indépendantes. Ok, très bien, c'est pas grave. De toute façon, je suis mort. De cause naturelle, dans pas longtemps. Vous pouvez vassaliser. Bienvenue. Toi, duc de là. Excellent. Voilà, on grandit. Transfert, oui, bien sûr. On grandit. Oui, j'ai commencé en 867, en étant Charles le Chauve. Donc, roi de Francie occidentale qui meurt assez vite et qui a son royaume qui se sépare en deux. Je voulais faire le titre de dernier carolingien. Le royaume de Poméranie, ça attendra. Hein. Le pays 60, très bien. Est-ce que j'ai des gens rançonnés? C'était ça que je voulais voir. Oui, j'en ai 8. Bah, prisonnier, rançonné. Merci. Ah oui, non mais Byzance, là, ils sont que 15 000 là, de puissance. Moi, j'ai 50 000 de puissance. Mais avec ma prochaine mort, ça va être compliqué. Oh, est-ce que je peux vassaliser, du coup? Oui, excellent. J'ai atteint l'objectif pour vassaliser des trucs nuls. C'est pas très grave. J'espère juste qu'ils vont pas trop m'embêter après. Des titres peuvent être usurpés. Royaume de Andalousie. Usurpons, alors. Très bien. On peut vassaliser. Vassalisons alors. Parce que forcément ici... ouais, il passe avec nous. Hop là. Excellent. Il y en a d'autres qui veulent venir nous rejoindre. On peut... Duché de Scanie. Usurpons. Usurper, ça veut dire que peut-être on pourrait s'améliorer. Duché de Juliet. Scanie, c'est où? Ah oui, c'est là-haut. C'est Skane. Tiens, mon ami, prends ce titre de duché de Scanie. Parfait. On n'en a plus trop. Excellent. Salut Morifen, comment vas-tu? Gérer un royaume, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Le plus dur, c'est les passations entre nos gens. Ben, ça va bien. On vient de gagner Jérusalem. Oui, on va te rançonner, on veut des sous, merci. Une alliance avec lui, non. Et toi, je suis curieux. C'est mon petit-fils qui hérite. Ah ouais, bon, on aura du mal après. Mais c'est pas grave. Voilà, on a rendu l'âme. Autant dire que c'est maintenant que ça va venir compliqué, peut-être. Alors, notre royaume n'a pas explosé, c'est déjà très bien. C'est notre fils. Non, 21 ans. Ok, militaire. Très bien, c'est pas mal. J'ai perdu ça, on s'en fiche. Dirigeant, je veux toi à 26. Dans 3 ans, il a fini. Intendant, 3 à 13. C'est pas comme si j'avais vraiment le choix, en fait. Ouais, on va éviter les assassinats. On va me dire toi à 13. C'est pas grave pour l'instant. Propage notre culture française. Oui, on est nul en propagation de culture. Je sais. Le Béarn, et toi je veux que tu convertisses ici, merci Montargis, dans 3 ans ça c'est fait, on est bien là, pas de mode de vie choisi, diplomatie, très bien, c'est déjà bien, mais non c'est, j'ai 55 ans, d'accord, préparé à régner c'est fait, ok, je possède trop de domaines, je suis en guerre, contre la Polabie. Pourquoi? Il attaque qui? Qui attaque qui? Contre la tyrannie de la reine de Polabie. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en moque? Qu'est-ce qu'on s'en moque? Laissons-la mourir. Comme ça, ce sera plus simple. Nommer un successeur, mon héritier. Merci.
ici, mon héritier. Très bien, il est deuxième. Ça changera peut-être avec les années. Ça. Je vous ai pas rançonné encore. Trop de duchés. Alors, ça, j'ai envie de dire, on s'en moque. Oui, toi, disperse. Ça, on va l'accorder à mon héritier. Et vous êtes angevin? Vous êtes en guerre. Ok, je ne suis pas français. C'est pas grave. Travaille sur la culture. Enfin, sur ça, d'accord. Comment ça, Italie? Comment ça, on est alliés? Ah, c'est dur. Et je peux pas l'assassiner. Bon, bah, on va faire ce qu'on peut après, hein. Ça, c'est l'Empire d'Italie qui m'énerve à chaque fois. À chaque fois, il revient. Je peux rien y faire. Ok. Complot à la cour, oui. Très bien. Ah oui, et puis je l'ai pas cédé du coup. Accordé à culture. Français. Française, là voilà, très bien, c'est ça que je veux. Et on va nommer cousin et chancelier. Oui, très bien. Tu vas prendre tout ça. Parfait. Et tu vas être content, j'espère. Voilà, il prend tout. 7 sur 9. Très bien. On a plus de maître espion. Ah, royaume de Danemark. Bon bah toi, t'es quand même meilleur. Ok, là on en est où de cette guerre? Je veux voir si on va pas avoir des problèmes de faction, typiquement. Exige d'indépendance. C'est bon, ça va diminuer. Ça ne diminue pas. Il faut dire aussi que je suis pas de... Bon. Votre patriarche a changé. Écoutez, on va y aller. On va les exploser. Bonjour. Une trêve, très bien. On est à moins 2%. Et nous, ce qu'on veut, c'est attaquer. Ils sont où? Mes chats de guerre, ils sont où? Je les vois pas. Je ne les vois pas, les chefs de guerre. Ce sont eux, au passage. Ce sont eux. Comte de Gorélic, c'est où? Ils sont là. D'accord. Là, je les vois. Chargeons-les alors. Ça peut prendre ça vite. Submergé par le stress, me flageller. Non. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai oublié. Un banquet. Ça peut augmenter mes relations avec tout le monde. C'est important. Merci. On revient festoyeur. Ça, c'est excellent. Du coup, la faction, on en est où? 8 mois. Votre gloire est bien connue. Ouais. Très bien. On a plus 25%. Est-ce qu'on peut reprendre ça vite fait? 57%. Un scandale, voilà. Bon, on les retue, hein. 70%. On est... Ah, elle est finie, la faction. Elle est plus assez forte. Génial, ça a marché. Et finis cette guerre que je repasse français. Nouvel atout en diplomatie. Très bien. Ouais, c'est bien ça. Et oui, j'avais pas vu. On a quelques... couronnes. On s'en fiche.
Ça, on a que lui. Armure, on a côte de maille française ou ça. On va rester là-dessus, la réparer même. En arme, on a une super arme. Prouesse plus 8, efficacité chevalier. Ouais, on va rester là-dessus et la réparer. Et ici, on a ça. Plus de renommée et plus de tyrannie. J'ai envie de dire ça, je m'en fiche. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ça, c'est pareil. Et ça, on s'en fiche. Très bien, on est pas mal là. Du coup, réparons ce qui doit être réparé. Réparons. Ça coûte rien, mais réparons. Ok, très bien. Et ici, on a aussi plein de trucs. Non, c'est bon, on a rien. Juste ça qu'il faudrait que je répare, Excalibur. Excalibur 2 même. Puisqu'on l'a en double. Ok, et ici, il y a toi qui veux parler. Très bien, on va faire ça. On va accorder une audience aussi, si ça peut leur faire plaisir. Ma siège. On va... Au revoir, ma siège. J'ai plus... Je savais pas qui t'étais. Très bien. Non, non, non. Faction pour l'indépendance. Moins de levée. Oui, allez-y. Moins de levée, c'est bien. Monstre de compagnie. Redoute plus de redoutabilité et de magnificence. Tapis en peau. Plus de prestige. Tapis en peau. Vas-y. Ok, c'est fait. Le duc est décédé. Vous ne pouvez plus m'influencer. Je savais pas que je t'influençais. Très bien. C'est toi que je veux influencer. Il est très fort, notre patriarche, pour une fois. Très bien. Toi, t'es pas puissant. On le savait. Ok. 88%. Ils reviennent. Ah ouais, venez vous faire tuer. C'est très bien. Ainsi soit-il, dispersez tout et maintenant on peut adopter la culture locale. Merci, je redeviens français. Voilà, ça c'est top. Et du coup, toi, tu peux convertir. Ah, la culture angevine qui m'embête. Sachant qu'elle n'existe plus, je crois que je l'avais annulée, non? Ah non, ils sont là-haut, les angevins. Bon bah, convertis l'île, 11 ans. Bon bah, 11 ans. Est-ce qu'à tout hasard, on n'a pas meilleur? Si, maintenant on a meilleur. Voilà, 7 ans, beaucoup mieux. Et toi, 14 mois, enfin. Si je peux avoir ça, vous êtes devenu chef de culture française. Excellent. C'est toujours chronique qui est en cours. Ok. Italie, t'en es où? On est allié. Je peux pas rompre mon alliance avec toi. Autre. Parce qu'il est plus jeune que moi, il a 44 ans. Je pourrais lui déclarer la guerre, hein, pour mes revendications, mais ça va me faire descendre de 1 mon niveau de gloire. Attendons un peu que notre armée se refasse. Oh, les refaites. Ah, est-ce que je les attaque, l'Italie? N'hésitez pas si ça veut, à me dire ça. C'est bon, il y a le royaume d'Italie et il y a l'empire d'Italie. Pour magnificence 9, excellent. On a 3000 d'or aussi. Peut-être des trucs qu'on pourrait construire ici. Voilà, on améliore tout, c'est très bien ça. Ça, c'est déjà en cours de construction. Senlis ou Senli, je ne sais pas. Très bien, plus d'or. Je construis au hasard. Là, franchement, je réfléchis même pas. On me rembourse en plus. Une alliance. Comté de Hume. Non. Ah oui, puis toi avec sa chapelle. Ah, c'est ici, voilà. Très bien. Ici, tout est à fond, mais pas château. Voilà, j'ai plus d'or. Si j'ai un peu d'or. Je peux améliorer ça. Et lui me rembourse. Très bien. Ça avance.
cours de niveau 10, excellent. Excellent, ça c'est bientôt fait. Même tout le monde le sait, un scandale, ok. Oui, il est gentil. Il mord pas. Très bien, on peut demander de l'or au pape. Ne nous en privons pas. Excellent, on est riche. On peut toujours rançonner des gens. Faut que je crée ces royaumes. Ça me rapportera un peu plus d'or. On a plus 45,3. Plus 45,6. Oui, je sais, c'est nul. Et toi, Hongrie, 46. On gagne 1 d'or. C'est déjà bien. On va rançonner tout le monde aussi, comme ça. On va cliquer 1-1 sur tout le monde. Merci. Italie. Culture. Bah, il est catholique français, mais. Oh, allez, j'ai combien de gloire? Je suis déjà illustre. Allons-y. On n'est pas à ça près, en fait. Mes revendications. Très bien. Let's go. Elle est où ta capitale? Là-haut. Tu vas pas faire grand-chose. T'as 15 000 hommes, je crois. Hein. T'as 7 000 hommes. Et des alliances. T'es allié avec. Véleta et Smeland, autant dire méga à moi quoi, ils vont jamais te rejoindre. Les hommes d'armes seulement, ça devrait suffire. Oui, le déshonneur a un prix, on sait. C'est pas cher payé comme prix, honnêtement. Très bien. Si je peux prendre la capitale tout de suite, on est déjà à plus 50%. Vous êtes devenu obèse. On va faire des exercices alors. Perdre du poids. Et puis on va les chasser. Très bien. Ça c'est pris 75%. Chassons-le. Méditation. Allez, méditation. Très bien. Pas de raison qu'on l'agresse plus que ça. Désolé, hein, mais t'es à moi en fait. Je vais pas te laisser exploser. Vous obtenez comté de Valentinois. Non. Chronique. Parfait. On a fini normalement avec toutes les technologies, donc tribales, du haut Moyen-Âge. Et donc maintenant, on va s'attaquer au Moyen-Âge classique. Opération bancaire. Homme d'armes. Si je peux encore avoir plus d'hommes d'armes. Vous n'êtes plus obèse. Comme quoi, c'est facile hein, de ne pas être obèse, je veux dire. Il suffit de cliquer sur un bouton. Ok, 91%, vous êtes devenu obèse. Ah bah c'est pas si simple en fait de pas le devenir. Je trouve pas les mots, ok. Ici, dignité, parfait. Oh, ils veulent piller, mais c'est chez moi maintenant les gars. Très bien, tu veux toujours piller? Il veut toujours piller. Je peux pas le rattraper. Hein. J'ai pas pu le rattraper. Bravo, il a pris mal. Excellent. Bon, on a récupéré l'Empire d'Italie. Ça c'est fait. Et toi, oui c'est bon, je t'ai déjà mis. 4 mois là-haut. Et toi, t'as fini d'intégrer. Ça, c'est top. Angleterre ou Sardaigne? Sardaigne, j'ai envie de dire 51 ans. 22 ans. 22 ans, Angleterre. Définitivement Angleterre. Il faut qu'on puisse avoir notre royaume qui se conserve. Ah quoique. Ah, je peux pas Navarre, il y a Léon qui est là. Ouais. Mon gars, là, tu te crois pour qui? Les hommes d'armes. 5 mois pour se lever. Ça va, vous êtes déjà là. C'est juste les chevaliers qui doivent attendre. Je ne trouve pas les mots, c'est pas grave. Il n'est plus votre grand écuyer. C'est vrai, ça, j'ai peut-être un problème de médecin de la cour, moi. Recrute-toi un médecin de la cour, c'est toujours pratique d'en avoir un. Ok. On a qui? Nous avons une vagabonde, Lydia, 17 ans, médecin expérimenté. Je veux pas savoir ce que t'as fait dans ton enfance. Pour être déjà expérimenté comme ça? Je pense pas moi qui vais me plaindre. Hein. Sénéchal, ma fille. Un champion personnel.
C'est très bien ça. S'il peut nous protéger un peu, c'est top. Événement de la cour, pourquoi vous l'avez nommé? Mon champion personnel, vous méritez un poste. Tiens, t'es goûteur. J'espère que tu vas bien mourir. Chargeons-les, ils sont 6000, ils auront pas peur de moi. Mais pourtant ils devraient. 5000 soldats d'armes, ça fait bien mal. 18%. On a augmenté notre martialité de 1. Excellent. Ouais, c'est très très fort. On peut vassaliser. Oula. Oula. T'es où? Très bien. On te vassalise. Des titres peuvent être créés. Ce serait pas mal. On va commencer à en créer quelques-uns des titres. Estanglia. Évidemment, je confie ça au roi sur place. Il est où le roi d'Angleterre? Je sais pas. Où est-ce qu'il est le roi d'Angleterre? Royaume? Angleterre. Appartient au roi de Bourgogne. Accorder des titres. Estanglie. Voilà. Très bien. Ça c'est fait. Culture andalouso-française. Zut. Du coup, ça donne quoi? Mais non, mais... Comment je peux faire que tout soit français si c'est comme ça? Ou alors, il faut que je la fasse diverger aussi, ma culture. Comment ça se passe? Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai pas les DLC depuis très longtemps. Du coup, je sais pas comment ça marche, la divergence des cultures. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont français quand même? Ou est-ce qu'il faut que je les convertisse? Est-ce qu'ils sont les deux ou juste un truc de plus? Hybride des deux. Tradition des cuillers. C'est vrai qu'on a déjà deux complets. Moi, je veux aller là-dessus. Plus d'hommes d'armes. Ok. Je sais même plus ce que ça faisait. Plus d'expérience martiale. D'accord, on sera moins blessé aussi. Allez, Biscay. Et on va charger son armée. Toi, commandant, en fait, t'es nul pour assiéger. Charge-les. Bonjour, t'as raté. Ouf, armée annihilée. Allez, allons sur la capitale de Léon. Ce sera fait. 79%, ça peut que monter de toute façon. On a fini de t'influencer. Très bien. Personne d'autre a influencé. Par contre, je peux convertir les orthodoxes qui sont un peu partout. Comment ça se fait d'ailleurs? Qui dirige ici? C'est toi. Toi, convertis-toi. Merci. Non mais oh. Mon goûteur est mort. C'est dommage, hein. En même temps, t'as voulu un poste dangereux. 25 jours, non, ça fait beaucoup trop de morts. Qu'il faudra que je paye tout ça. Ouais, ça c'est bon. Merci, on a récupéré Biscay. C'est cool. On a saisi ça. Pourquoi pas. Il faudrait que je le fasse aussi. Tiens, on va devenir Auguste. Excellent. On va le faire. On va demander une épopée familiale. Très bien. Un compteur accompli, évidemment. On veut payer cher pour ça. Des revendications sur les titres voisins. Bof. De la renommée. De la renommée. Et je vais aussi organiser un banquet. Baisser mon stress. Ouf, ça a tout baissé d'un coup. Excellent. Non. C'est pas une vraie promesse. Nous en reparlerons plus tard. Merci pour le prestige. À la prochaine. Merci. Et toi, poupée familiale, qui aiderait à la résistance au complot hostile. C'est déjà ça. Je pense qu'elle va être nulle, hein, mon épopée familiale. Ok. Très bien. Votre conseiller a péri. Non, mon maréchal, t'étais fort. Peut vassaliser un prince de Transylvanie. C'est pas
par là, hein, Transylvanie. Oui, c'est là. Ouh, c'est gros. Intéressant. Ouh, c'est petit. C'est quoi? Oh, c'est deux comtés. Bon, d'accord, pourquoi pas. Aussi vrai que possible. Aussi vrai que possible. Non, renommée, on gagne 23 par... honnêtement, ça sert à rien. Oh non! Ma femme est morte. C'est le début de la fin, du coup. Royaume de Bavière? Non. Moi, je suis vieux, j'ai 62 ans. J'ai déjà mon héritier, de toute façon. Qui est lui, qui est déjà intelligent. Ok, très bien. On va prendre Valachie. Très bien, parce que la Bavière, honnêtement, j'aimerais bien la grignoter. Même si elle a 15 000 hommes. Voyons voir. Des duchés, c'est bien ça. Opaline. Enfin, c'est pas mal, Opaline. C'est intéressant. Toi, tu veux Opaline aussi. Toi, tu veux juste un comté. Je crois que c'est juste des comtés maintenant. Ah, un duché d'Autriche. Ça aussi, c'est intéressant. Couper en deux le truc, c'est pas mal. Ok, on va y réfléchir. Je vais juste finir mon épopée. Ok, aventure épique. Plus de prestige, résistance au complot. C'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va pouvoir virer celui-là, peut-être. Ouais, il me sert à rien. On va le remplacer donc par celui-là. Non, par le nôtre. Il est où, le nôtre? Bah, il est où? Il est où, mon épopée familiale? C'est plus là? Ah si, c'est celui-là. Non, même pas, c'est le dernier que j'ai eu. C'est là-dedans, les épopées familiales? Ok. Ça se met où? Pourquoi je vois pas l'emplacement? Ah, aventure épique de la maison carolingienne. Ça irait remplacer ça ou ça. Ok, ça, ça vaut pas mal. Et il est où? C'est toi? C'est toi, hein, je crois qu'on a dit que ça pouvait remplacer. Non, c'est pas toi. C'est toi. Oh bah oui, c'était nul. On a des meilleurs. Hein. Ah, ils sont déjà exposés. Bon, on va aller celui-là, très bien. Si on peut faire des meilleurs complots, ce sera bien. Oh, par contre, oui, j'avais un événement de cours. Je peux être plus généreux. Non, j'ai pas besoin d'être généreux, en fait. Donne-moi l'or, merci. Accorder audience. Ah, mince, à chaque fois, accorder audience. On peut pas nommer quelqu'un pour faire une place, ça. Oui, très bien. Non, acceptation culturelle, j'en ai besoin. Un hameçon fort contre lui, ça serait intéressant. Très bien. Parfait. Et toi, tu es... Oh, pas trop mal. C'est jamais. Et du coup, au fait, toi, tu es 19 ans sur l'Angleterre, c'est ça? Et c'est 47 ans, là. Ok, bon, bah, s'occuper de l'Angleterre, alors. Merci pour l'or. Et donc, Bavière, t'es allié avec eux, nul. Très bien. On va te déclarer la guerre. T'as combien de soldats? T'en as pas mal, hein? Mais ce sera pas suffisant. On avait dit Autriche. Autriche, ça me semble très bien comparé à ça là-haut. Let's go. Voilà, c'est bien. On attaque enfin la Bavière pour un grand territoire. On va tout lever ici. Bonjour. Ça va bien lui faire mal. Et Sarde française qui s'hybride. Elle est là pour commencer. Et puis maintenant, il faut que je les répartisse. Viens là. Les archers, allez là.
Vous allez là. Vous sans capital. Vous êtes nul là-haut. Les cavaliers là. Très bien, ça peut être pas mal ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux toi? Un financement pour un insigne royal. Ok. Le nôtre est nul, je crois. Voyez, ouais, ouais. Il est pas mal en fait, mais bon, on verra. Voit son tendance augmenter de 2 ou devient ivrogne. C'est mon fils héritier? C'est mon fils. Je sais jamais imaginer qu'il soit fort. Ils sont maintenant mariés. Très bien. Et pape, bonjour. De l'or. Donc tu me donnes de l'or, je t'annexe pas. Très bien. Par contre, notre or descend avec de ses vitesses. Tiens, on a pas bien conseillé. Non, pas toi, tu étais le meilleur. Ok, 19 ans quand même. Ils assiègent au sud en fait. Une tapisserie qui a été saisie. Vous payez 15. Merci. Secret dévoilé, pourquoi pas. Appel à la guerre, ok. Modificateur de dynastie. Ah, intéressant. Allez là, vous. Très bien. J'ai jamais imaginé que ce soit un super un truc. 60%. On tente. Moindre, dommage. Nouvel empereur. Ok. 44 ans. Rome d'Italie qui est encore fait un truc. Ok. Très bien. Non, pause. Je veux un chancelier qui soit fort. Évidemment. 57 ans. T'es à 22. Ah oui, mais oui, du coup, oui. Toi, t'as 22. Il me déteste pas trop, alors on va en profiter. 21, c'est très bien. Et toi, 16. Ok, pas de mode de vie choisi. Martialité. On va prendre celui-là. Nommer un successeur. J'ai un héritier. Ok, il est jeune, c'est pour ça. Très bien. Et toi, tu peux te marier. Royaume d'Aquitaine. Au moins, il me déclarera pas la guerre. Parfait. Continuons d'avancer. Très bien. Normalement, cette alliance là-haut, elle devrait nous aider. Très bien, ce que je voudrais aussi... non, tout est bien. On peut rançonner des gens, on verra ça après. Ce que je voudrais aussi, c'est donc organiser... Ah, je suis dans une armée. Ok, je suis dans quelle armée? Je ne sais pas. C'est dangereux d'être dans une armée. On va investir un peu d'or. Où ils arrivent? Une inspiration alchimique. Je ne sais pas ce que c'est. On va le financer. Laissons faire l'experte. Voilà, on les a chopés. Excellent. Fin de la guerre. Très bien, on a récupéré l'Autriche. Ça, c'est top. On fusionne tout le monde. On vient là. Et on disperse. Et nous avons eu une insigne, un insigne royal de très bonne qualité. Excellent. C'est-à-dire... bah il est meilleur. Il est un peu meilleur. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, on va l'utiliser. C'est top, ça c'est fait. Tu veux quoi, toi? Elle est là depuis un certain temps. Elle semble manger pour 10.
Vas-y, viens ma cour, très bien. Ça ici. Très bien, on fait disparaître là les notifications, ça ira très bien. Ok, on refait notre armée. On est en guerre contre qui? Sur le royaume de Valachie? Par. Ah, déjà en interne. Ok. Notre armée sera refaite, on ira. On se fait assiéger en plus. Mourez, félons ennemis. Ah, il faut combien d'années pour... D'accord. Ok, très bien. Non mais les armées... viens là. Viens là. Ils n'osent pas nous attaquer pour l'instant. On devrait avoir fini de recruter avant qu'ils arrivent. Un cadeau. Très bien. Très bien, cadeau accepté, c'est top. Ça fait plus d'opinion populaire, ouais, très bien. C'est bon, mes armées sont formées. On dit ami, n'est plus votre architecte royal. C'est pas cool. J'ai besoin d'un intendant. De 20. Très bien. Rechercher un médecin? J'ai pas de médecin. C'est pas juste. On les chope, c'est top ça. T'es vieille. Si je les chope, c'est bien. Parfait, chargeons-les. À 71%, ça fait plaisir quand même. Si on pouvait aller là-bas maintenant. Pour reprendre ça, vous gardez le livre? Non. Vous avez perdu ça. Pourquoi pas? Est-ce que c'était un des... Il n'était pas équipé, donc c'est très bien. On va aller sur la capitale, on va l'assiéger. J'ai une faction dangereuse. On ne peut rien y faire. Ok, on va assiéger un peu plus vite, j'en ai marre. De cette guerre. Alors certes on perd des gens, c'est pas grave. On disperse. Des recrues. Très bien, on va essayer. Et surtout, on reprend la culture. Non, je suis français. J'étais français. Mais... Oui, très bien, bonjour. D'accord, l'Italie a explosé. On va devoir déclarer une petite guerre. Il me déçoit. Très bien, tant pis pour lui. Un atout en martialité. Bellum Justum. On va attendre que ça, ça se refasse. Je m'en fiche. Accordons une audience. On va essayer de récupérer notre royaume. Vas-y. L'acceptation augmente, très bien. Merci. Bon, encore deux artefacts, honnêtement, pas par date d'acquisition, par rareté, s'il vous plaît. Toi, t'es pas équipé. Ouh, branche du chêne du sacré de Thor. Dommage, je ne peux pas l'utiliser. D'accord. Tant pis. Rançonneur, vous paye 50. Oui, il est rançon. S'il vous plaît, un peu d'or. Puis après, on va aller attaquer l'Allemagne. Enfin, la Lotharingie, qui est censée faire partir de mon royaume de Jure. Allié avec des gens nuls. Très bien. Vassalité, non, il veut pas. Très bien, mes revendications. Parfait. Je peux pas demander le reste, mais ça se fera tout seul. Il a 18 000 hommes quand même. Hein. Mais bon, ça va se faire. On se met là, on lève tout le monde. Parfait. Chargeons. Son armée de 19 000 hommes. Il se disperse, c'est top. Voilà, 21%.
Je veux pas de cette guerre nulle avec les paysans. On va leur faire un cadeau fiscal pendant un temps. Ça me va. On se disperse un peu. On voit ce qu'on peut faire et assiéger. Comme ça, ce sera bien. Il assiège au nord. Parfait. Je suis dans une armée. Je suis où? Je suis là. Bon, on va dire que c'est bien que je sois là. J'ai pas les catapultes, mais au moins ça va accélérer la prise de leur capitale. Ils doivent être là, les catapultes. Oui, c'est ça, elles sont là. Viens sur la capitale. Aide-nous à prendre ça vite. 18%. Ok, très bien. T'es au courant, tu dois défendre ton territoire, pas me prendre le mien. On scinde en deux, c'est bien, j'ai les catapultes. Toi, tu vas aller... Ils m'ont pris avec sa chapelle. Oh, les méchants pas beaux. Tant pis. Toi, t'es bon. Viens là-haut. Je siège tellement vite maintenant, moi. Maastricht. Parfait. 74%. Viens là. 81%. Ah, il vient vers nous. Ok. On a 20 000 hommes. Si je t'attaque, tu dis qu'on gagne. Allons-y alors. On a une chance de mourir, mais c'est pas grave. Fin de la guerre. Excellent. On va avoir récupéré ces terres-là. Très bien. Je veux plus de contrôle naturel. Fin de contrôle. Très bien. Toi aussi. Ils disent pas parce qu'il y a la Sardaigne qui est là-haut. Mais franchement. Franchement. Pourquoi je dois convertir lui? Français. Bah oui, tout ça. Pendant 9 ans. Bon, tous ceux qui sont pas français plutôt. On va dire que les autres ils sont français à moitié, c'est déjà bien. Ah si c'est bon. Non, on n'a pas récupéré avec sa chapelle. C'est le seul truc qu'on n'a pas récupéré. Zut. Mon successeur. Toi. Merci. Ok. 14 sur 10. On va céder tout ça. Hein. Notre fils est héritier. Je peux pas. Bon bah toi, t'es français, c'est très bien. Tu prends tout ça. Non, pas le royaume de... On va créer les... Les titres. Bon, on les usurpe, déjà. Très bien. Ça, c'est bien. Maintenant, toi, je peux t'accorder ça avec le Luxembourg. Ensuite, ça... On peut l'accorder à lui avec Brabant. Très bien. Et ici, on peut se les garder. Temporairement en tout cas, on peut les garder. Très bien, il vient de Vinsal.